Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode de mon podcast créatif. Moi c'est Audrey et ceci est un podcast tricot. Vous pouvez me retrouver sous le pseudo Yarnflex sur Instagram et Ravelry. Et ici sur YouTube, je fais des podcasts principalement en anglais toutes les semaines et une fois par mois, je récapitule tout en français. Et si vous voulez retrouver tous ces épisodes en français, ils sont dans une playlist Yarnflex en français que je vous mets dans la description. Voilà, bonjour, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup de me retrouver pour ce nouvel épisode francophone. Du coup, oui, ça fait un bon mois que j'ai pas enregistré. Je promets d'essayer de faire plus concis que la dernière fois. De toute façon, j'ai pas autant de temps devant moi, donc j'essaierai de moins m'étendre. Mais j'ai quand même beaucoup de choses à vous montrer. Pas mal d'objets finis, en tricot, des... patron que j'ai publié sur Ravelry, beaucoup de laine, de nouvelles jolies laines à vous montrer et aussi des livres, des collections de patrons que je voulais partager avec vous. Donc ça va être un petit peu chargé, mais voilà, j'espère que ça va vous plaire. Il fait très très beau aujourd'hui, donc je suis contente parce qu'on a une lumière très sympa, donc... Je vais commencer. Vous pouvez trouver tous les temps des différentes sections du podcast dans la description. Donc si vous voulez sauter une partie qui ne vous intéresse pas, vous pouvez regarder dessous et faire comme ça. Et je mets aussi tous les liens de ce dont je parle et des patrons d'Hélène qui seront évoqués dans cet épisode. Oui, je pense que j'ai tout dit en introduction. Alors, octobre, ça a été un petit peu chargé pour moi niveau publication de patrons, puisque j'ai trois nouveaux patrons que j'ai publiés sur Ravelry. Ce sont tous des modèles que vous avez déjà vus pendant que j'étais en train de les faire. Donc, je vais juste revenir dessus pour vous annoncer leur sortie. Et je vais... oui, je vais faire du plus récent au plus ancien, c'est, on va faire comme ça. J'ai donc publié... ce matin, du coup, puisque... Alors, temporalité curieuse, puisque j'enregistre cet épisode bien avant de le publier sur YouTube. Mais, au moment où vous regardez cet épisode, Lucarne sera dispo sur Ravelry. Donc, c'est une étole rectangulaire en dentelle avec, voilà, des motifs de dentelle. Donc, j'ai de très 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 gentilles testeuses dont j'ai vu les travaux en cours qui sont absolument super, donc vous pouvez aller jeter un œil sur Ravelry si vous voulez voir leur version. Elles ont utilisé des laines différentes, plutôt de la fingering. Il y en a qui ont fait des mélanges aussi de fils très fins, plusieurs avec du mohair pour avoir un mélange différent, très intéressant. Mais voilà, donc c'est une étole, c'est pas très compliqué, ça peut être un premier projet de dentelle. Je suis très contente parce que pendant le test on a bien travaillé et je pense qu'avec les retours de tout le monde, je suis arrivée à une version finale du patron qui convenait bien à mes testeuses au niveau de la mise en page, donc tout est a priori le plus simple possible à suivre. Donc voilà, c'est, je pense, une étole qui est accessible aux débutants même en dentelle. Et voilà. Il y a un code promo pour la sortie du patron, donc ce sera le code LUCARNE qui vous donnera moins 15% jusqu'à lundi soir. Et voilà. Donc je voulais juste revenir un petit peu sur le blocage, parce que j'ai eu pas mal de questions, bon, déjà de mes testeuses et aussi en général de gens qui voyaient cette étole et qui se posaient la question. Bloquer des étoles rectangulaires, c'est vrai que c'est un peu pénible. Enfin, je parle quand il y a de la dentelle, en fait. Il n'est pas question d'empêcher que ça roule, parce que comme vous voyez, il y a une bordure en point mousse qui fait que une fois que vous lavez en fait l'étole et que vous la laissez sécher à plat, ça n'est pas censé rouler, ça ne roule pas. Mais en fait, en ce qui concerne la dentelle, et pour que elle s'ouvre et reste bien à plat. Je n'aime pas du tout bloquer, je suis très 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 peu encline à faire des efforts de ce côté-là.
Du coup, en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est vraiment le choix de la laine qui va me faciliter la tâche. L'idée, c'est bien d'avoir des bords le plus droit possible, nets, tout en faisant en sorte que la dentelle s'étale et que les jetés s'ouvrent. Mais forcément, si vous devez tirer pour que ça s'ouvre, ben, vous allez devoir épingler les bords et soit vous utilisez des peignes qui sont plus larges, donc qui tiennent droit, soit vous utilisez des câbles de blocage rigides. Je n'ai ni l'un ni l'autre. J'aime tellement pas bloquer que j'ai pas envie d'investir, très honnêtement. Donc en fait, je dépends beaucoup du choix de la laine. Et ce qui marche vraiment bien, du coup, c'est les laines single ou les laines, les fils plats à deux brins qui sont pas très retordus en fait. C'est un type de construction de fil qui va facilement s'étendre tout seul sans que vous ayez forcément besoin d'épingler. Donc ce que j'ai fait là, donc j'ai utilisé une laine qui est parfaite pour ça puisque c'est une laine single dentelle, un mélange de mérino, soie et yak. Par Knit Cosmic Strings, donc, dans le coloris Penny. Et en fait, donc je l'ai laissé tremper, une vingtaine de minutes avec le savon. J'ai bien essoré, et en fait, quand je l'ai étalé donc à plat, j'ai juste eu, en fait, à passer mes mains un petit peu, c'est bizarre ce que je fais là sur moi, mais bon, c'est pour... C'est bon, on vous montrer un petit peu. J'ai juste eu à étirer en fait avec mes mains à plat et la dentelle s'est ouverte toute seule. Aucun effort, vraiment, j'ai pas eu besoin d'épingler les bords. Et tant mieux parce que sinon en fait je me suis retrouvée avec un bord où on aurait vu les épingles puisque comme je vous dis j'ai pas de peigne, j'ai pas de câble, tout ça. Donc voilà, si vous avez peur de bloquer des étoiles en dentelle rectangulaire, vraiment je pense que le plus simple c'est de se tourner vers une laine qui ne va pas être très élastique en fait. Les laines qui vont être très retordues, qui vont, les laines à chaussettes, les fils à plusieurs brins en fait, qui vont être ce qu'on appelle high twist en anglais, forcément ça va s'ouvrir un petit peu mais ça va avoir tendance à revenir sur soi. Et du coup, quand on utilise ce genre de laine en dentelle, bah c'est là qu'on a vraiment besoin d'épingler pour tirer et ouvrir la dentelle. Ce qui, encore une fois, quand on veut des bords droits, peut s'avérer un peu pénible quand on n'a pas le matériel adapté. Donc voilà, si vous n'avez comme moi pas ce matériel et si vous, vous êtes minimaliste du blocage, du coup, tournez-vous vers des laines single, c'est impeccable, parce que ça va vraiment... c'est quelque chose qu'on dit souvent d'ailleurs quand vous faites des châles ou des... Il y a certaines personnes qui font des pulls en single, ça s'étend beaucoup. Du coup, c'est très très bénéfique pour de la dentelle. Je trouve que la laine single, c'est très limité pour moi en usage. Jamais j'utiliserai une laine... Je parle vraiment d'une laine hyper douce et luxueuse en pull. Certainement pas en chaussettes, évidemment. mais du coup, quand on les prend pour ce pourquoi elles sont bonnes, donc les étoiles, les objets près du cou qui doivent être moelleux et qui doivent être bien, bien souples, ça fonctionne très bien. Et ça rend le travail de la dentelle plus facile, je pense. Voilà, donc c'était le petit mot blocage. Donc lucarne, bon, je trouve la couleur absolument magnifique. Je suis vraiment fan de ce coloris de Cosmic Strings. Au moment où je vous parle, j'ai regardé, ils ont quelques couleurs de leur... donc c'est la Yak Lace, donc c'est le fil de dentelle Yak. Voilà, comme je vous l'ai dit, le patron est écrit pour que vous puissiez utiliser la laine que vous avez. Donc si vous utilisez de la fingering, si vous utilisez si vous faites des mélanges, tout ça, ça fonctionne très bien aussi. Le minimum, je dirais, c'est quand même 800 mètres, donc de fingering ou de dentelle, pour avoir une étole suffisamment grande et pouvoir bien s'enfler dedans.
Voilà, donc c'est Lucarne, c'est la dernière sortie de ce mois d'octobre. Je remonte un petit peu dans le temps avec Le Bonnet Milma, donc que j'ai publié mi-octobre du coup sur Ravelry. Donc c'est un bonnet en jacquard en fingering qui est plutôt abordable pour un premier projet en jacquard. Mes testeuses étaient très contentes. Voilà, donc c'est un motif où il y a peu de croisements de fil, juste là en fait. Et voilà. Trois couleurs, vraiment il en faut très peu, des restes. Ça peut aussi être un moyen de tester des associations de couleurs si vous prévoyez un plus grand jacquard. Et voilà. Il y a une taille, bon j'ai une queue de cheval, là, je sais pas ce que ça va donner, mais pas grand chose. Il y a une taille qui couvre à peu près toutes les tailles adultes. Je donne des instructions et je vous aide en fait si vous voulez la modifier un petit peu pour agrandir ou diminuer la taille sans altérer le motif. Je pense que je vais me faire un pompon. Hein. J'hésitais en fait. Pour le patron, je ne l'ai pas fait parce que je voulais que ça reste assez minimaliste et mixte. Mais je pense qu'il y a quelqu'un qui a suggéré de faire un pompon dans la deuxième couleur contrastante et je pense que ça serait très sympa. Voilà. Donc c'est un bonnet, tout ce qu'il y a de plus simple, et peut être, je pense, un bon premier projet jacquard. Donc c'est le bonnet Milma, qui est sur Ravelry déjà depuis quelques semaines. Et enfin, le dernier patron dont je voulais vous parler, pareil vous avez déjà vu, que j'ai publié donc en tout début du mois cette fois-ci, ce sont les chaussettes Aliénor. Donc, jacquard, hein. C'est très, très automnal tout ça, hein. Mais c'est super. Donc voilà, ce sont des chaussettes tout en jacquard, avec un motif un peu floral, qui ressort vraiment très bien dans plein de coloris différents. Encore une fois, si vous voulez aller jeter un œil aux versions de mes testeuses, elles sont vraiment très sympas parce qu'il y a plein de couleurs différentes. Moi voilà, j'ai choisi quelque chose qui est assez sombre, assez un peu aristo, avec cette espèce de jaune, d'or bronze en couleurs contrastantes. Mais voilà, il y a des versions vertes et roses qui sont hyper printanières, il y a des versions très classiques blanches et bleu marine. Il y a une version que j'aime beaucoup qui est noire, enfin un peu charbon et rose aussi. C'est très sympa. Et voilà. Donc là, pareil, j'avais des testeuses qui étaient relativement débutantes en chaussettes ou en jacquard. Et ça s'est très bien passé. Le motif est assez simple. Il y a certains endroits où il faut croiser les fils sur des rangs consécutifs, mais je donne vraiment toutes les indications, les instructions possibles pour vous aider à faire ça. Tous mes patrons qui contiennent une technique particulière, en fait, j'essaie de répéter à chaque fois dans le patron les bases en fait de la technique pour que ce soit abordable. Et voilà, vous avez le motif de sous le pied. Un talon à rang raccourci allemand. Et voilà. Donc les chaussettes Aliénor que j'ai publié, je crois que j'ai publié le 1er octobre, vraiment tout au début du mois. Et voilà, donc je suis assez contente de ma petite collection d'octobre. Ça s'est très bien goupillé tout ça, parce que pour le coup ils vont tous très bien ensemble quand on les met comme ça, une petite pile. Je pense que je vais prendre une photo parce que c'est joli. Voilà. Mais du coup ouais, j'ai eu un mois d'octobre un peu très occupé niveau publication de patron. Novembre s'annonce à peu près pareil, mais bon du coup c'est l'automne, hein, on tricote, on en profite. Donc voilà, j'espère qu'un de ces patrons vous plaira, et de toute façon si vous voulez en savoir plus, vous pouvez du coup retrouver tous les liens dans la description, et il y a tous les détails sur les pages Ravelry, et vous avez aussi les pages de mes testeuses si vous voulez regarder d'autres exemples de réalisation. Voilà, donc, instant publication de patron terminé, je vais passer au reste de mon tricot. J'ouvre mon petit carnet de notes, j'essaie de le maintenir ouvert.
Voilà. Je vais commencer tout de suite avec ce que je porte, du coup, qui est un objet fini, qui est donc le cardigan fier que j'ai testé pour l'ergue de Fibertales. Et donc, elle l'a publié la semaine dernière, donc il est disponible maintenant sur Ravelry. J'ai mis pas mal de photos sur Instagram qui vous ont beaucoup plu, donc c'est chouette. Il me semble que je vous en avais parlé, oui je vous en avais forcément parlé la dernière fois. Mais donc c'est un cardigan avec une coupe un peu boxy et courte, avec un col en V, qui se tricote en fingering. Donc moi j'ai utilisé Albertine de Dererum Natura, donc qui est un fil peigné, très rond, très lisse, doux, avec pas mal de drapés et une définition vraiment très très intéressante. Et dans le coloris, c'est crépuscule. L'échantillon est de 23 mailles, donc je pense qu'on peut aussi utiliser de la sport assez facilement si vous voulez quelque chose d'un peu plus chaud. Le cardigan se tricote à plat, en 6 pièces, donc tout est tricoté séparément. Vous commencez par faire le dos, vous faites les deux devant, et puis vous faites les manches en rond et la bande de boutonnage. Et ensuite, on coupe le tout. Donc, je trouve que si vous êtes curieuse de ces méthodes de construction qui sont plus classiques en fait, au moment où on est tous très tricot en rond, je veux absolument pas coudre, tout ça, si vous avez quand même envie d'essayer autre chose et de voir en fait les avantages que peut avoir la couture, puisque ça apporte plus de structure au tricot en fait, le tricot va être moins susceptible de s'étirer, de tomber, ça va vraiment être un peu plus solide. Ça vous permet aussi de modifier le tricot assez facilement, par exemple, vous pouvez faire une taille pour le corps et une autre taille pour les manches. Ça arrive assez souvent qu'on doive tout le temps modifier les manches parce qu'elles ne correspondent pas. Voilà, on a des bras qui sont apparemment pas standards par rapport à notre tour de poitrine. Du coup, vraiment tricoter à plat, ça permet vraiment de modifier un petit peu tout ça. Et c'est très sympa. Donc si vous avez envie d'essayer un tricot à plat, je pense que ça peut être un bon choix parce que ça apporte vraiment du sens à ce tricot à plat. Et ça le rend vraiment très sympa parce qu'en fait, vous tricotez le dos et les devants séparément. Donc en fait, vous n'avez que la moitié du motif de texture qui est absolument magnifique que vous voyez ici. En fait, ce que vous retrouvez sur les emmanchures ici. Donc oui, c'est des emmanchures tombantes, hein, si j'ai pas dit. Du coup, vous ne voyez cet effet de torsade que à la fin quand vous les cousez ensemble. Et du coup, ça fait vraiment un petit effet, c'est presque magique en fait. Ça me fait toujours rire de voir mes gnomes là derrière. donc c'est vraiment hyper satisfaisant en fait de faire cette couture côté et de voir la torsade se rassembler. C'est une torsade qui s'appelle Caliper, il me semble, qui est très facile à... C'est pas tout à fait une torsade, hein, c'est curieux. C'est des mailles allongées en fait qu'on déplace. Qui est très simple à faire et le souci c'est que quand on la fait en rond, et c'est ce qu'expliquait l'ergue dans son podcast, puisque We Farm Retails a un podcast, si vous parlez anglais, je vous conseille vraiment de la regarder parce qu'elle est vraiment très, très, très sympa et elle fait plein de jolies choses. Elle expliquait en fait que quand on le fait en rond cette torsade, le centre en fait est assez lâche, il y a deux mailles au centre qui sont un peu souples, alors que en le faisant à plat et en cousant au milieu, ça les rapproche vraiment bien, donc ça fait beaucoup plus joli je trouve. Et après c'est tout à fait abordable, moi j'ai fait un rabat à trois aiguilles pour les épaules, donc ça fait une couture en moins. Le seul truc qui vraiment est peut-être un petit peu ennuyeux à coudre, c'est la bande de boutonnage. Moi ce que j'ai fait du coup, c'est que je l'ai... j'ai pas fini de la tricoter avant de commencer à la coudre. Donc j'ai tricoté un long bout, puis j'ai commencé à coudre la patte de boutonnage alors qu'elle était toujours sur mes aiguilles. Comme ça j'ai pu coudre au fur et à mesure et tricoter vraiment pour pile poil la bonne longueur. Ce qui s'est passé, c'est que on commence par faire le côté avec les trous. Et
vu que ma laine est assez beaucoup plus souple et beaucoup plus bon, c'est un fil peigné, elle est beaucoup moins ferme que celle qu'a utilisée Lerg. Du coup j'ai dû plus tirer sur la bande de boutonnage, et ce qui fait que mon cinquième trou n'est pas sur le corps. Il est là, vous voyez, il est sur le V. Donc je peux pas fermer à cet endroit là évidemment. Je vais mettre un bouton là pour que ce soit symétrique et que j'ai pas juste un trou pour rien. Mais ça me dérange pas du coup, parce que la patte de boutonnage elle est vraiment bien bien mise, et elle apporte beaucoup de structure au dos du cardigan. Donc j'en suis vraiment très contente. Il est hyper agréable à porter. Je l'ai fait un poil plus long que ce que recommande l'ergue, mais en fait vous pouvez vous faire aussi long ou court que vous voulez. Hein. J'ai beaucoup écrit sur ma page projet Ravelry. J'écris en anglais, mais en fait il y a les mesures. Donc je pense que vous arriverez à voir back, tout ça. Les mesures que j'ai fait la taille M. Donc ça me va vraiment boxy. Donc, vous voyez les photos de l'ergue, elle est enceinte jusque là, du coup forcément ça lui va pas comme ça va sur un corps non enceinte. Donc ça remonte un petit peu, mais les autres versions test, il y en a pas mal où on les voit porter, donc c'est vraiment sympa. Et oui, j'ai pas dit qu'il y avait aussi ces côtes brisées. Il y a plein de versions de côtes brisées, donc je sais pas s'il y a des noms spécifiques en français. C'est garter rib. En anglais, c'est côte mousse. Puisqu'en fait, on fait une maille en droit, une maille envers sur un rang, et sur l'autre rang, on fait que des mailles en droit. Mais voilà, donc j'en suis hyper contente. Il est hyper confortable, très facile à porter. J'ai mis des petits boutons en noix de coco. Et voilà, donc elle l'a sorti sur Ravelry la semaine dernière, et il est vraiment très très sympa. Et j'en suis contente. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit. Est-ce que j'avais marqué quelque chose? Oui, alors du coup le patron n'est qu'en anglais, parce que l'ergue est danoise. Elle a ce style d'écriture de patron qui est typiquement scandinave. Mais en fait elle fait un très bon juste milieu entre vraiment le style hyper concis et débrouillez-vous que peuvent avoir parfois les patrons quand vous regardez des patrons des pulls nordiques où il y a des choses du style faites 56 trucs en même temps et quand, voilà, quand vous si elle était complètement dans cet esprit là, en fait elle aurait mis les instructions pour un devant et elle aurait écrit faites l'inverse pour l'autre devant. Elle fait pas ça du tout, elle a vraiment un très bon équilibre entre faire un patron qui est pas très long, qui déborde pas de blabla, pas comme certaines personnes, n'est-ce pas, mais en même temps vraiment elle, y a rien qui est laissé au hasard, tout est très clair, tout est bien expliqué. Donc c'est vraiment très rafraîchissant de ce côté-là, et j'aime beaucoup la façon dont elle écrit ses patrons. Vous allez le voir parce que j'ai un autre projet fini qui est un autre de ces modèles. Donc si, ouais, je sais pas si c'est un premier patron de pull en anglais, je ne pense pas, parce que c'est, enfin voilà, c'est loin d'être, c'est pas quelque chose de hyper basique non plus, mais... si vous avez un petit peu d'expérience avec les patrons en anglais, que vous avez envie de tester un patron écrit à plat, je vous le conseille vraiment parce qu'il est très sympa à faire. Voilà. Oui, c'est bon. J'ai trois autres objets finis. Le premier, donc c'est le pull. C'est un autre pull par Fibretail. C'est le pull Roture, donc, qui est un pull en déca avec un yoke en brioche bicolore et un petit peu de jacquard en bas. Donc j'en suis hyper fan, c'était très sympa à tricoter, j'ai vraiment désolée, arrête de bouger j'ai vraiment adoré tricoter cette partie. C'est voilà, moi qui suis pas à fond brioche, ça m'a beaucoup plu, j'ai tricoté ça hyper vite et c'était vraiment vraiment très agréable. Une fois que j'avais trouvé la bonne laine,
Donc j'ai utilisé Phil Collana Gotland dans le coloris rouille et ça c'est Tukwul Fingering dans le coloris Uyo, qui vont super bien ensemble. Je suis assez surprise parce que voilà, mauve, rouille, enfin mauve c'est une espèce de rose gris, mais voilà, c'est très très joli et je suis hyper fan de ce pull. Il me va très bien, c'est un de mes pulls qui me vont le mieux au niveau de la coupe, parce qu'il n'est pas, j'ai fait, parce que donc Fiber Terrace a réécrit le patron, elle a rajouté des tailles récemment, et du coup moi j'ai fait la taille qui correspond maintenant à la taille M1, et il me va super bien, il est hyper confortable sans être trop lâche, et vraiment j'en suis très très contente, et les finitions sont en point. Oh, vous me l'avez dit la dernière fois. J'ai oublié. Oh, c'est énervant. Quelqu'un m'a dit la dernière fois comment on disait point le linen stitch et j'ai oublié. Bref, merci à toi qui me l'a dit la dernière fois et que j'ai oublié. Mais c'est pas point de toile? Non, c'est pas ça. Je ne sais pas. Mais voilà, donc c'est un pull qui est hyper sympa. Encore une fois, le même type d'écriture. Il est plus simple hein, que le fier parce qu'il est tricoté en rond. Si vous savez faire de la brioche, ça va. Si vous savez pas faire de la brioche, c'est pas grave. Parce que c'est en rond, donc c'est plus simple qu'à plat. La brioche bicolore. Voilà, vous avez ces petits motifs de jacquard à la fin qui transitionne et qui fait un petit peu la finition de ces branches. Il est vraiment super sympa, j'en suis très contente. Et j'ai vraiment hâte qu'il fasse vraiment plus frais. Il commence à faire frais, mais j'ai vraiment hâte que ce soit le plein hiver pour que je puisse le porter. La laine est hyper agréable, donc c'est la laine, hein, c'est la Gotland, donc qui sont des moutons qui se retrouvent surtout en Suède et tout ça, au Danemark, qui ont une toison grise, un peu argentée, qui fait que quand on teint dessus, ça fait vraiment des reflets métalliques absolument sublimes. Mais voilà, c'est une laine typique, c'est pas du mérino australien, mais en la lavant en fait, et en la portant, elle est souple, et en fait quand on la touche comme ça, on sent forcément les fibres, qui sont pas fines, donc c'est plein de fibres qui ressortent, les seins. Mais en fait si vous laissez la main, enfin c'est ce qui m'arrive à moi parce que je suis pas une personne sensible, en laissant la main, ça a un petit effet moelleux et ça fait qu'on les sent plus. Et donc c'est typiquement le genre de pull qui va en portant s'adoucir. Et voilà, je le porte même juste avec un petit débardeur parce qu'il fait pas assez froid. Je suis pas quelqu'un de frileux, donc j'ai rarement des trucs à manches longues sous mes pulls. Mais je peux le porter comme ça là sur le cou, ça me gêne absolument pas. Donc j'en suis très très contente. Je pense que vraiment la clé pour ce pull, c'est de faire attention à son choix de laine. Je trouve personnellement que des contrastes plus subtils sont plus jolis. Si vous avez suivi au début, j'avais essayé de prendre une laine blanche, enfin écrue pour le contraste, et ça ressortait pas très bien parce que du coup ben, on voyait vraiment l'envers de la brioche ressortir à travers les mailles en verre. C'était pas très joli. Et voilà, je trouve personnellement que des contrastes plus légers, plus naturels rendent le mieux. Forcément des laines qui s'accrochent, ça facilite la tâche. Et voilà, je suis très contente de ma version. Je pense que je vais beaucoup la porter puisque comme je vous l'ai dit, c'est vraiment une coupe qui me va hyper bien. Donc j'en suis très contente. J'ai deux autres projets finis qui sont de design. Donc le premier c'est le pull Feriga dont je vous avais parlé la dernière fois, donc qui est fini et qui est actuellement en test. Donc c'est un raglan en sport DK, donc avec un échantillon de 19 mailles, et donc c'est un raglan assez rustique avec une encolure qui est surélevé dans le dos, dans les côtes. Donc il y a un détail dont mes tesseuses sont très contentes, donc je suis contente que ça leur plaise. Et en fait après voilà,
on va tout droit. Et à la fin, on a un petit détail en jacquard avec une tresse vicelle. Donc, qui est une technique simple à faire. C'est vraiment facile. C'est plus facile à faire que les tresses laitonnes à bicolore en fait. C'est beaucoup plus facile. Et mes testeuses qui étaient toutes novices dans cette technique s'en sont très bien sorties. Elles ont beaucoup aimé la faire. Et l'autre détail de texture, ce sont les côtes. Donc qui ont cette espèce de motif qui me plaît énormément. Et que j'aime beaucoup en laine rustique, mais que je vais tester en laine plus lisse, en, disons en détail plus important. Et il est aussi à la fin, là. Voilà. Donc c'est un pull qui est en train d'être testé, qui sortira fin novembre, je pense. Tout se passe bien, il y en a certaines qui ont fini, qui ont fait des versions magnifiques. Moi j'ai utilisé la Moeke Yarns, donc qui est une laine roumaine, fabriquée de façon traditionnelle, artisanale. Donc c'est la qualité Elena, qui est une qualité single costaud, avec des moutons, donc les moutons Tsigaye, qui est une race de moutons roumaine qui est rustique, qui a une laine sèche, mais qui ne pique pas. Et voilà, qui a ce rendu très naturel, très campagnard, je ne sais pas comment dire. Les manches, puisque donc c'est ma première fois que je designais des manches longues. Et j'ai eu quelques questionnements, puisque en fait il se trouve que moi je modifie quasiment tout le temps les manches des pulls que je fais. Et je sais que je ne suis pas la seule, que beaucoup de gens se retrouvent à faire les manches toujours à leur sauce. Et j'ai essayé d'identifier quel était le problème pour moi. Et en fait, c'est que j'ai des cheveux partout, hein. Je n'ai absolument pas besoin de diminution sur toute cette partie de mon bras. La circonférence de mon bras est la même jusqu'à vraiment juste au-dessus du là, juste au-dessus du coude. Là, je perds 1,5 cm au niveau du coude. Et après forcément, ça s'affine jusqu'au poignet. Du coup, ce qui se passe, c'est que dans la majorité des cas, les diminutions, pour des manches qui sont ajustées, hein, parce que quand c'est des manches qui ont un peu d'aisance comme ça, ou qui sont vraiment carrément loose, il n'y a pas de souci. Mais quand on veut des manches ajustées, ce que je voulais pour ce pull, puisque du coup, je ne vous ai pas dit, mais c'est un pull qui a pas mal d'aisance, 10-15 cm, et des manches ajustées. Donc je voulais des manches ajustées. Et donc, vraiment, si je fais comme beaucoup de patrons le font, c'est-à-dire commencer les diminutions assez haut, ben, y a trop de diminutions là en fait, ça ne sert à rien et ça me sert trop. Et souvent, j'ai fini les diminutions là. Alors que là, vous voyez mon bras, ça finit quand même encore. Mon bras. Et du coup, soit la manche est prévue trop longue, du coup j'ai pas fini les diminutions quand je suis déjà là, soit les diminutions s'arrêtent là. Du coup j'ai décidé d'essayer de faire quelque chose de différent et de voir si ça fonctionnait avec mes testeuses. Pour l'instant ça se passe plutôt bien. Celles qui ont fait les manches vont bien. Donc du coup il y a très peu de diminutions sur le bras. Et en fait j'ai préféré donner des points de repère et de dire... Voilà, il faut arriver au coude à un moment, et à partir du coude, on fait une certaine séquence de diminution qui est plus rapide jusqu'à ce qu'on arrive à la longueur voulue et qu'éventuellement on adapte le nombre de mailles pour la finition en côte glissée. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait pour ces manches. Et j'espère que ça va permettre aux gens d'adapter un peu plus facilement leur coupe, mais a priori c'est bon. Et du coup voilà, donc je l'aime beaucoup. J'ai une espèce de fixette sur les tresses, ces tresses vicelles en ce moment, vous allez le voir, mais voilà, il est en cours de test et je vous en reparlerai du coup quand il sortira. Je pense que ce sera le prochain épisode. Et voilà. Mon dernier projet fini, que de projets finis, c'est pas un pull, ça change, ce sont des mitaines. Donc en fait,
Je pense que vous avez vu le dernier livre de Making Stories, donc Jewels. Et il y a dedans le pull topaz, donc qui est un pull en jacquard avec des motifs un peu de... ça a un nom. C'est quelque chose de géométrique qui a un nom et j'ai oublié. Mais c'est un pull qui utilise trois couleurs de Tuku Wool Fingering, donc qui est une de mes laines préférées. J'ai de la Tuku Wool partout, j'ai des chaussettes en Tuku Wool, bref. Et il se trouve que les trois couleurs utilisées, bah, c'était celle-ci, que j'ai donc en reste. Spécifiquement les trois couleurs que j'avais chez moi. Donc c'est la couleur Valo, Tuni et donc le mot c'est Uyo qui est dans mon roture. Et du coup, en voyant cette association, je me dis c'est quand même vachement sympa. Et j'ai eu envie de faire quelque chose avec. Et ça faisait un petit moment que je me disais que j'avais envie d'essayer de créer d'autres accessoires, d'autres types d'accessoires que des chaussettes et des bonnets. Et du coup, bah, j'ai fait des petites mitaines. Au début, j'ai dessiné un motif tout en jacquard, mais en fait, ça n'allait pas très bien. Le contraste n'était pas très bon entre Uyo et Valo. Et surtout, j'avais beaucoup plus de Valo, en fait, donc la laine qui est un peu bronze, moutarde. J'en avais beaucoup plus, donc je voulais l'utiliser plus. Et donc, j'ai juste mis un petit peu de jacquard sur les poignets. Et j'ai trouvé ce motif de feuille que j'ai un peu modifié pour qu'il soit plus simple à faire et qu'il fonctionne bien sur les mitaines. Donc c'est pas très compliqué à faire, il y a quelques points particuliers, mais j'ai fait des tutos vidéo et mes testeuses s'en sont bien sorties jusque là. Le téléphone est un peu récalcitrant aujourd'hui, il n'arrête pas de se couper. J'espère qu'il va arrêter. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, elles ont rien de très compliqué en fait. Le patron peut paraître un peu curieux si on n'a pas l'habitude, mais j'ai plusieurs de mes testeuses dont c'était les premières mitaines qui au début m'ont dit je comprends pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Elles m'ont dit mais il faut faire ce qu'il y a écrit. Et quand elles ont fait ce qu'il y a écrit, ça a marché. Donc on s'en sort, je pense qu'on a réussi à faire quelque chose qui était le plus clair possible. Qui en gros, c'est souvent. Ça en fait, dans mes patrons, la solution c'est qu'à un moment dans le patron, il faut qu'il y ait écrit. Ne vous inquiétez pas, il suffit de faire ce qui est écrit. Vous n'avez pas besoin de faire autre chose. Et ça fonctionne. On a fait comme ça, a priori ça se passe plutôt bien. Il y a plusieurs tailles différentes. Alors il faut que je revoie un petit peu les conseils pour choisir les tailles. Mais voilà, parce que moi je me suis retrouvée à faire quelque chose de très petit. J'ai pas des mains si petites que ça, mais j'avais envie que ce soit des mitaines mais qui tiennent en fait. Et du coup j'ai fait 4 tailles différentes en précisant bien à chaque fois qu'est-ce qu'il fallait faire par rapport à vos mesures pour que ça ait tel ou tel rendu. Voilà, donc... Là, ça sera bien. Mais je les aime vraiment beaucoup. Elles sont très sympas. Et j'aime vraiment bien ce motif de feuille. Il sort de façon plus rustique sur des laines bah, comme là, la Tuku Wool Fingering. Et il y a mes testeuses, il y en a pas mal qui ont utilisé bah, des laines fingering teinte main plus classique. Et ça ressort vraiment bien aussi. C'est très joli. Il faut pas beaucoup, vraiment pas beaucoup de laine, donc pareil pour utiliser des restes comme j'ai fait, et moi je trouve très sympa. Donc elles sont en test du coup aussi, tout est en test, absolument, il n'y a qu'un seul truc qui n'est pas encore en test, tout est en test. Voilà, du coup je pense que ce sera prêt dans pas très longtemps en fait, et voilà, donc, ce sont les mitaines Vat. Qui veut dire valet en occitan. Et voilà. C'est hyper rapide à faire. Je les ai faites en 2 jours, en fait, le temps de dessiner le truc et de recommencer une ou deux fois parce que j'ai mis un certain temps avant de trouver la bonne taille par rapport à l'échantillon que j'avais. Donc l'échantillon c'est 24 mailles, ce qui pour des mitaines est assez grand. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que la tuku wool est quand même assez gonflante. Donc ça reste quand même dense.
Mais du coup, vous pouvez utiliser de la sport aussi si c'est un échantillon que vous aimez bien en sport. Ce sont tous mes objets finis. C'est déjà pas mal. J'ai quelques objets en cours à partager avec vous. Mon premier en cours, c'est le pull Woolen Honey. Parce que j'ai fini 3 pulls d'un coup, donc il fallait que j'en monte un autre. Même si j'ai un pull à faire pour ma mère pour son anniversaire, il va vraiment falloir que je commence. Donc c'est le Woolen Honey d'Andrea Mori. Donc c'est ce pull avec ce motif de ruche d'abeille qui est magnifique. Je pense que vous l'avez vu. Je me suis jetée dessus dès qu'elle l'a sorti. Je le trouve vraiment très très beau. Et du coup, moi, je le tricote en Holstgarn, donc ma laine préférée, ma laine que j'adore. Holstgarn coloris nougat. J'avais des restes de mon Winfell et j'avais racheté, des plantes, hein, des petits cakes de Holstgarn qui n'étaient pas du tout dans le même lot d'un en fait. J'ai commencé, je pense que je vous l'avais montré la dernière fois, non? Bah non en fait, puisque je l'ai commencé, parce que j'ai vérifié pour voir combien de temps j'avais perdu. Vous comprenez pas du tout ce dont je suis en train de parler. Donc j'ai commencé à tricoter le Woolen Honey avec donc mon reste de Winfell. Et arrivé aux trois quarts du yoke, je change de pelote, je prends une des nouvelles pelotes. Et la différence était flagrante, c'était... Ça faisait vraiment... le reste de mon Winfell était plus gris, plus froid, alors que là, on est sur un ton plus crème, presque blanc. La différence était flagrante. Et c'était trop, en fait, pour... J'ai essayé plusieurs trucs, parce que, comme je vous dis, j'étais aux trois quarts du New York, ça faisait 2 semaines que je tricotais dessus. J'ai considéré le laisser et trouver... faire un espèce de fade, en fait, mais... Le souci, c'est que pour que ça marche en fade, il faut vraiment que ce soit bien placé. Là, la différence, bah, elle était là, du coup. Donc, c'est vachement haut. Donc, il aurait fallu que je trouve plein d'autres nuances de plus en plus claires. Au bout d'un moment, j'allais me retrouver sur carrément du blanc pour que ça ait l'air d'être fait exprès. Et aussi, je trouvais que ça... Avoir des couleurs différentes là-dessus, je trouvais que ça enlevait vraiment au motif. Et je trouvais ça dommage. J'ai pensé à faire le pull et ensuite le reteindre par-dessus, mais en fait c'est idiot parce que je risquais d'avoir tricoté tout le pull et de tout gâcher parce que la différence se verrait quand même. Bah donc j'ai défait et j'ai recommencé. Et j'ai recommencé tout de suite après avoir défait parce que sinon je savais que j'allais avoir un peu de mal. Mais du coup oui, bah, j'en étais là quoi. J'en étais là, donc j'ai tout défait et j'ai tout recommencé. Et heureusement que c'est hyper sympa à tricoter. Donc ce motif, ce sont des mailles allongées aussi en fait. Donc c'est hyper facile à faire, ça a l'air un peu bizarre. Mais en fait il s'agit juste d'enrouler son fil plusieurs fois autour de l'aiguille. Puis de glisser ça. Et ensuite on se retrouve avec une maille super longue qu'ensuite on déplace quand on veut fermer les... Les pentas, c'est quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6... Les hexagones. Quand on veut fermer les hexagones. Les motifs d'abeilles, là, de ruches d'abeilles. Et donc c'est vraiment très sympa à faire. Je pensais que ce serait plus compliqué que ça, mais en fait, il suffit de... Le rythme est très logique. Et il suffit de regarder, de vérifier. Ah ok, ce rang-là, c'est un rang simple. Ce rang-là, c'est un rang en augmentation. Et on voit, on sait ce qu'on doit faire et on n'a pas besoin d'être les yeux à suivre la répétition du motif. C'est vraiment très agréable. Je tricote dessus le soir alors que je suis à moitié endormie. Mais et ça se passe très bien. Sauf quand je regarde pas mes loups. Même pour de la laine teinte commercialement, oui, il faut faire attention. Du coup j'espère que j'aurai assez de laine parce que du coup je me retrouve que avec 4 pelotes. Je pense que oui parce que là je suis sur ma deuxième pelote. J'ai presque fini le yoke. C'est un pull qui est court. Moi je vais le faire vraiment court et je vais faire des manches 3 quarts. Donc j'espère que ça va aller. J'ai pas envie de rayer
en fait, d'alterner avec l'autre parce que ça va se voir. Ça va faire des rayures, ça va m'énerver. J'ai pas envie. Donc j'espère que j'ai assez de laine, sinon éventuellement je ferai, je défraie les côtes et je ferai les finitions dans l'autre qui sera un peu plus gris. Je préfère ça plutôt que d'avoir des rayures dans le pull. Mais donc c'est vraiment très sympa à tricoter. Alors j'ai eu quelques hésitations parce que c'est une base de point mousse. Et le point mousse, je suis pas très à l'aise là-dessus au niveau de sa tenue pour un pull. Donc j'ai fait un échantillon, j'ai fait bien attention à être dans les clous. J'ai fait un échantillon avec une autre couleur parce que du coup, comme je vous dis, j'en ai pas des masses. Et ça, normalement, c'est le bon échantillon. Donc je trouve que c'est assez ferme en fait, et tant mieux parce que j'ai peur que le point mousse vraiment tire et tombe et que ça fasse pas très joli en bloquant. Mais bon, j'utilise quand même la Wool Super Soft, qui est une laine rustique, légère, donc a priori ça devrait pas trop faire ça. Je comprends pourquoi en fait c'est plutôt du point mousse que du jersey en verre, parce que le point mousse ça remplit un peu mieux les formes et ça fait vraiment cet effet moelleux, donc c'est très sympa. C'est du point mousse en rond, hein, donc c'est un rond droit, un rond vert. C'est pour ça que j'ai fait mon échantillon en rond. Même si c'est pas écrit dans le patron, mais c'est pas pareil. Le seul truc, c'est qu'il y a du coup une démarcation dans le dos au moment où on change en fait de rang, forcément. Parce qu'on passe de l'envers à de l'endroit et je sais pas si c'est évitable, mais parce que du coup, il faudrait glisser. Je sais pas. Non, je pense que ça marcherait pas. Je sais pas. Je pense pas que ça marche comme du jersey avec des couleurs en fait, parce que c'est une question de texture et je pense que ça se verrait quand même. C'est pas très grave, ça fait une petite couture. Ça c'est dans le dos quoi. Voilà. Quand on regarde le devant, c'est joli, c'est net, ce sera joli sur les épaules aussi. Donc vous voyez en fait, j'ai presque fini parce que. Ils sont mes trucs. Je suis sur le dernier là. En fait, ça va faire une pointe là. Là, il va y avoir le dernier. Et ensuite, ce sera que du point mousse en rond. Les côtes des manches sont assez longues, ce que j'aime bien, même si j'ai horreur de tricoter des côtes. J'aime bien l'effet des côtes longues sur les manches, donc je vais le faire. Si j'ai assez de laine. Voilà. je fais la taille S parce que voilà, j'ai pas mal de chance quand je fais des patrons d'Andrea Mowry parce que je fais un peu la même taille qu'elle. Du coup, quand je veux que ça tombe comme sur elle, je fais exactement la même taille que ce qu'elle a fait. Et du coup, ça marche bien. Ma mère qui m'envoie un message, parce qu'elle veut. voilà, du coup, avant, une fois que j'ai dû tout défaire, je l'avais passé, j'avais essayé et ça avait l'air de bien tomber, donc je suis assez contente. Donc c'est Wool and Honey, et je pense que j'ai tout dit. Je pense que j'ai tout dit. Ouais. Ça avance quand même très vite. Comme je vous dis, j'ai commencé début octobre et j'ai refait deux fois en fait. J'ai fait les trois quarts du yoke et là j'ai refait et j'ai presque fini. Et donc voilà, c'est vraiment hyper sympa à tricoter et j'ai vraiment envie d'avoir fini parce qu'il est, je le trouve, très beau. Dans cette couleur neutre, je pense que ça va être super agréable à porter. Voilà. Un autre en cours dont je vais vous parler, c'est j'ai commencé à faire des cadeaux de Noël. Doucement mais sûrement. Et donc j'ai commencé par une paire de chaussettes pour ma mère. J'ai pas mal de paires de chaussettes à faire. J'ai un bonnet, j'ai un pull. Je vais y arriver, je vais y arriver. C'est pas novembre encore. Voilà, donc ça c'est une laine que j'avais teinte moi quand j'avais envie d'essayer de teindre des laines rayées. C'est une des premières que j'ai teintes. Et du coup. C'est quand même pas mal, hein, mais la transition, surtout au niveau du bleu, là on voit quand même qu'il y a 6 ou 7 mailles où la couleur devient verte. Donc c'est le truc qui est le plus difficile, je pense, quand on teint des laines à rayures, c'est d'avoir une coupure bien nette. Il y a des gens qui arrivent très bien. Là je trouve quand même que c'est pas mal. C'était mon premier, je crois que c'était la deuxième que j'ai teinte. Sur une base laine nylon, c'est une base
base un chaussette allemande de basique. Donc je vais faire des talons après coup, comme c'est des chaussettes rayées, j'aime bien. Même si c'est pas ce qui nous va, parce que c'est pour ma mère, je dis. C'est pas ce qui nous va le mieux, mais c'est pratique pour des chaussettes à rayures. J'ai fait des côtes, les mêmes côtes que là. J'aime bien des fois essayer des côtes différentes pour des chaussettes. Le montage que j'utilise tout le temps, c'est un montage élastique, c'est le German Twisted Cast-On. Et j'utilise pour tout, j'utilise pour mes pulls, pour à tel point que... alors c'est un montage qui ressemble beaucoup au Long Tail Cast-On, juste un petit truc en plus à faire. Et du coup, quand je veux spécifiquement faire le Long Tail, j'ai un temps d'arrêt où il faut que je me rappelle comment faire parce que je suis tellement habituée à faire l'autre. Mais je me rends compte en fait avec mes testeuses que... pour moi, c'est un montage qui est hyper basique. Enfin, j'ai l'impression que tout le monde faisait ce montage, mais en fait, non. Je me rends compte que mes testeuses n'ont pas forcément l'habitude. Et qu'elles doivent faire quelque chose de bizarre parce qu'elles n'arrêtent pas de casser leur fil. Je sais pas comment vous vous débrouillez, les filles. Mais j'ai utilisé même avec des laines très fragiles. Je pense que vous tirez trop, vous faites quelque chose de... Au moment où on passe l'aiguille, que vous faites quelque chose de trop tendu et... mais bon bref, c'est un montage que j'aime bien parce qu'il est vraiment très joli, il est très net et il est élastique. C'est mon, comme je vous dis, je le fais tellement que c'est devenu mon montage par défaut. Et voilà, donc j'ai monté 60 mailles et j'ai fait une pointe ronde. Et je ferai mon talon après coup, après avoir fini la deuxième. J'ai commencé, j'ai fini les côtes hier soir. J'essaye de faire en sorte que ça corresponde. Pas parce que je veux que visuellement ça corresponde, mais c'est juste parce que c'est plus facile après pour qu'elle soit de la même taille. Je fais juste le même nombre de rayures et je place le talon au même endroit des rayures et du coup c'est plus facile. Donc j'ai dû défaire un petit bout pour retomber sur le orange et recommencer l'écoute au même endroit. Mais voilà. Donc des petites chaussettes toutes simples. J'ai 4 paires de chaussettes toutes simples à faire, donc il va falloir que ça se fait rapidement dans un film. Voilà. Et mes deux prochains en cours, donc ce sont tous les deux des designs. Je ne sais pas si je vous avais montré ça en fait. Je suis pas sûre de vous en avoir parlé. Et non, je vous en ai pas parlé. Donc, c'est curieux quand même que je vous en ai pas parlé. C'est vraiment que je suis dessus. Bon, Maison Corlaine, donc que vous connaissez parce qu'ils sont fabuleux, va lancer une nouvelle collection de laine avec plein de nouvelles bases non superwash et surtout qui utilisent des laines de mouton plus originales, disons, que juste du mérino. Et moi je suis... Donc j'ai fait mon design, mon Tolosa avec leur laine, et en voyant ça, du coup Guillaume m'a contacté et m'a dit que si je voulais à l'avenir faire un design avec leur laine, il serait ravi de collaborer, donc c'est très sympa. Merci. Du coup, après coup, il m'a donc annoncé ça, cette nouvelle collection. Si vous regardez le podcast d'Anna, de Lana et Tricot, vous en avez déjà entendu parler. Ils m'ont annoncé ça, et du coup, oui. vous savez que j'adore les laines plus rustiques, les laines plus spécifiques, en fait, qui utilisent autre chose que juste du mérino. Voilà. C'est vrai que... je trouve que les laines, le mérino superwash, c'est très bien pour certaines choses, mais du coup, quand on ne prend que ça tout le temps par défaut, je trouve que c'est un peu triste. Et que quand je vois une marque de laine, des teinturiers indépendants, qui ont 5 ou 6 bases, et qu'en fait, la seule différence entre les bases, c'est est-ce qu'il y a 15, 20 ou 25% de nylon dans le mérino superwash. Voilà, j'aimerais voir autre chose. Je trouve que c'est très bien et que c'est super parce que ça a une douceur et une facilité qui rend la chose très accessible à tout le monde, au niveau de la sensibilité, je veux dire.
et de la facilité du traitement, enfin de l'entretien, pardon. Mais ça marche pas pour tout. Voilà, il y a d'autres choses qui me fonctionnent mieux, il y a d'autres aspects de tricot, il y a d'autres techniques, d'autres rendus dont j'ai envie, et je suis désolée que la lumière fasse n'importe quoi. Il y a d'autres rendus dont j'ai envie et qui fonctionnent pas avec juste du mérino super wash, c'est tout. Du coup, voilà, moi quand une marque de teinturier indépendante me dit on va faire des laines non super wash avec du Wensleydale, avec du Corydell, avec du Gotland, avec du Massam, oui, absolument, absolument. Alors après en teinture, forcément le super wash ça a l'avantage de très bien prendre la couleur et d'être assez fiable et on peut faire des speckles, tout ça. D'un autre côté, moi je trouve que dans la scène de teinturier indépendant française, on est à fond dans le... Du coup je l'agite, hein. On est à fond dans les semi-solides, en fait les laines à une couleur, il n'y a pas tant que ça de laines variées, absolument aberrantes, avec plein de différentes couleurs et de speckles, il y en a. Fonctionne très bien, c'est très joli, mais il y a quand même énormément de teinturiers indépendants français qui font que des couleurs solides. Bah dans ce cadre-là, je trouve quand même qu'essayer de la non-superwash, ça peut être très intéressant. Après, je sais que bah, le public est peut-être pas là, c'est peut-être pas rentable, hein, donc c'est... Du coup, je suis vraiment contente quand des marques essayent et prennent le risque de faire quelque chose de différent. Et du coup, on a décidé que j'allais designer quelque chose avec leur laine, donc qui est de la Falkland Grey. Donc c'est une laine qui a une base grise, à base de laine des îles Malouines. Donc c'est aux îles Malouines, c'est soit du Merino, soit du Polwarth. Mais le Polwarth, c'est de toute façon un dérivé de Merino. Il me semble que c'est 7/8e Merino. Et après, je crois que c'était de... Du mouton Lincoln. En fait, c'est une base qui est grise. C'est une base à deux brins qui est plutôt fine pour de la fingering. Il y a 400 mètres au 100 grammes, mais au toucher et au ressenti, elle est plutôt sur le côté fin. Et je design donc une étole rectangulaire. Donc c'est l'étole Hilde qui est donc une étole avec plein de petites torsades et des motifs de losanges avec des points, j'ai appelé ça point noué, je ne sais pas si c'est un autre nom. Mais voilà, donc là la couleur est à peu près correcte. C'est très difficile à photographier parce que du coup bah, c'est une base grise et elle a énormément de très jolis reflets. C'est un vert, là c'est plutôt, c'est un poil plus clair que ça quand même. C'est, ouais voilà, là à peu près. Ouais, c'est une très très belle couleur, j'en suis très contente. Et j'ai presque fini mon étole, du coup elle est déjà en cours de test puisque j'aimerais la sortir en novembre. Voilà. Je suis... elle est très agréable à tricoter, elle est douce. Hein. Alors après, c'est de la non-superwash. Elle a quand même des petits brins qui ressortent. Mais elle est quand même douce. Elle est fine. Donc je sais pas trop pour des pulls ce que ça pourrait donner. Mais je suis curieuse de la tester en jacquard. En fait. Je me demande vraiment qu'est-ce que ça pourrait donner. Le truc principal, c'est que je suis surprise par sa définition. J'avais un peu peur, surtout avec une couleur plutôt sombre, hein, que ça ne se voit pas. Donc là, c'est un peu saturé, mais même en vrai, on voit vraiment bien les torsades, donc je suis contente de ça. Ça ressort vraiment bien. Voilà. Remarquerez que j'aime bien les étoiles rectangulaires. Donc, c'est en cours de test. Voilà, ça se passe bien. Il y a quelques points qui peut-être sont pas très qui peuvent éventuellement faire peur aux débutants, mais ça reste quand même accessible. Et donc pareil, vous allez voir, j'ai mis ma petite tresse nickel là encore pour séparer en fait les deux motifs.
que ça fasse comme une insertion d'une bande horizontale et que la petite tresse, alors c'est très subtil parce que du coup la laine est très fine, mais ça coupe quand même, ça casse les deux motifs de façon assez légère, ce que je voulais. Donc voilà, j'en suis très contente pour l'instant, j'ai vraiment hâte de la bloquer et de la voir finie. Et de me battre pour prendre des photos parce que j'ai l'impression que mon téléphone est en train de décéder. Mais voilà, je pense que prendre des photos de cette couleur, ça va être un peu compliqué. On verra bien ce que ça donne. En attendant, c'est assez relaxant à tricoter parce que les motifs sont répétitifs, assez simples et c'est facile de voir où on en est. Donc j'avais peur que ce soit beaucoup plus... prenant au niveau de l'esprit que ça, mais en fait je regarde des séries, je dors à moitié. Des fois je tricotais tard le soir et je m'endormais en tricotant et j'ai pas fait trop de bêtises. J'ai fait une seule bêtise une fois, mais voilà. Donc c'est voilà, Hilde. Et mon dernier en cours qui est tout là-bas. Du coup. Hilda, c'était quand même quelque chose qui était très, très planifié. Voilà, j'avais envoyé mon idée à Maison Corlaine. On avait travaillé ensemble pour arriver à quelque chose qui correspondait à l'esprit de leur future collection de base. Et du coup, c'est très planifié, c'est très codifié. Le patron est écrit, il est net. Voilà. Et des fois, j'ai quand même envie de faire autrement, de designer quelque chose de manière un peu plus libre. De juste partir avec certes une idée, mais de me laisser éventuellement changer d'avis et de modifier et de faire un peu tout et n'importe quoi. Et en général, ce genre de choses, ça marche bien avec des châles asymétriques. Donc ça va être un châle principal en point mousse et en fait, voilà, l'idée c'est juste on monte 3 mailles et puis on en monte d'un côté et après il se passe ce qui va se passer. Donc je voulais quelque chose de plutôt simple, plutôt voilà, pas prise de tête pour le coup. Beaucoup beaucoup de points de mousse comme vous voyez. De la brioche, parce que voilà. C'est de la brioche unicolore parce que j'aime bien la texture de la brioche en fait. Voilà, je trouve ça très joli en unicolore. Plus parfois qu'en bicolore. Voilà. Je trouvais que ça allait bien dans l'esprit du châle, vraiment plutôt basique. Et de la mosaïque. Parce que je fais une fixette sur la mosaïque, j'ai envie d'essayer, j'ai envie de jouer avec. Et j'aime beaucoup ça. Je trouve que c'est hyper sympa à tricoter, c'est vraiment très agréable. Et surtout, ce que j'aime bien par rapport au jacquard, c'est que ça permet des jeux de texture, puisqu'on peut le faire en point mousse. Et donc là, c'est de la mosaïque en point mousse. Voilà. Donc, je ne sais pas à quoi ça va ressembler. Là, j'ai refait un petit peu de brioche. Je suis désolée parce que il est un peu plié dans son sac à projet. Mais voilà. Donc, ce petit a déjà un nom aussi, c'est Popa. Parce que la mosaïque avec les petits points là, pop, je sais pas. Voilà. et voilà, j'aime bien. C'est très agréable à tricoter, vraiment, c'est pas prise de tête. Au fur et à mesure, je change d'avis, j'ai changé 15 fois ce motif de mosaïque. Mais voilà, je le trouve très sympa à faire. Et je suis bien curieuse de ce que je vais réussir à faire. En fait, mon idée, c'est que j'ai ces laines. Donc c'est de la laine by Simone. Dont j'aime bien beaucoup le travail sur le côté uni de la couleur, vraiment. Donc en fait, ce que j'ai pris, c'est que j'ai pris elle fait parfois des échevaux de 150 grammes, donc j'ai pris 150 grammes de Silver Grey et deux mini de 20 grammes, donc en Toffee et Only Black. Et du coup, j'avais envie de faire un châle avec ça. Comme ça, bah, soit vous prenez il y a quelques autres teinturiers indépendants qui font des échevaux et des mini aussi, et des mini ou des restes, soit si vous prenez des laines qui sont vendues en 50 grammes, vous en prenez 3. Et... C'est quelque chose que je trouve intéressant quand je design, d'essayer de rationaliser l'utilisation des laines. C'est pas toujours possible, ça marche pas forcément tout le temps parce que c'est difficile
de juger, surtout pour une étoile où les gens vont pas forcément faire attention à avoir le même échantillon, hein. Même moi, quand je fais une étoile de quelqu'un d'autre, je regarde la laine que j'ai, je me dis bon, bah, j'aime bien tricoter cette laine en 4 mm, bah, je fais comme ça. Et je fais pas du tout attention à si c'est le même échantillon. Du coup, je peux utiliser beaucoup plus ou beaucoup moins de laine que ce que le designer a prévu. Donc, c'est toujours un petit peu difficile de jauger ça, mais j'essaye, en tout cas, de faire en sorte d'avoir une utilisation de laine logique. Voilà, de pas se retrouver à devoir utiliser 5 grammes d'un écheveau entier. Bref. Après, on peut utiliser plein de restes aussi. Sur une étole, sur un châle, pardon, aussi simple que ça, on peut, voilà, on utilise des restes, on bidouille, donc ça fonctionne plutôt bien. Mais voilà, donc c'est ça l'idée. Du coup, je sais pas trop comment je vais me dépatouiller. J'ai envie de reproduire ce motif-là de mosaïque sur la fin. Je sais pas jusqu'où je vais aller. Voilà, il me reste ça de ma couleur principale. Et j'ai fait 3 pompons. Enfin, des glands. C'est des glands. J'ai fait ça. J'avais envie. Voilà, je vais mettre aux pointes. Ça va être. Dans quel sens? Ça va être comme ça. Voilà. Et donc sur les 3 pointes, je vais mettre un pompon. Je les ai faits avant-hier. Comme ça, ils sont faits. Au début, je voulais les faire dans ma couleur contrastante, la caramel, là, qui est très très jolie. Très très joli ce caramel. Mais je pense que j'aurai pas assez pour si je veux refaire ce point de mosaïque quelquefois à la fin. Donc je me suis dit, bah, je vais les faire en gris. Et comme ça, ils sont faits et j'utilise la laine qui me reste. Voilà. C'est mon dernier en cours dont je voulais vous parler. Et oui, dernier en cours. je sais pas jusqu'où je vais aller parce que mon téléphone n'arrête pas de mourir, de plus avoir de batterie. Mais je voulais vous montrer rapidement, j'ai commandé plein, plein, plein de laine. J'ai très mal dormi. Tout le mois de septembre, j'ai pas mal d'insomnie. Et du coup, quand on dort mal, qu'est-ce qu'on fait? On va sur son téléphone la nuit et on commande de la laine. Du coup, j'ai un peu, un peu craqué. Après, j'ai craqué sur des trucs dont j'avais envie depuis pas mal longtemps, des vendeurs donc, que j'avais repérés. Et du coup, c'est quand même assez raisonné. Tout a un design associé. Donc en fait, j'ai un peu planifié, sans trop le faire exprès, mes modèles de printemps. La première chose que j'ai commandée, c'est 3 écheveaux de Featherfin, donc qui est une teinturière allemande qui fait de très très beaux écheveaux solides. Elle a des bases assez intéressantes aussi, elle a du Tencel, il me semble, des choses comme ça. Mais là, j'ai pris sa base Soc, donc c'est 75, oui, 75% superwash merino, 25% nylon. Puisque j'avais, donc comme quoi, oui, j'aime bien aussi des fois, j'avais envie de faire un pull un peu confortable, un peu basique, pas tout à fait basique, hein, parce que je mettrais quand même un petit jeu de texture à la fin, pour le printemps, donc je pense que ça deviendra ça. Ça fait très longtemps que je regarde sa boutique et elle fait plein de choses qui me plaisent beaucoup. Et là, récemment, elle a sorti cette couleur, donc qui est bleu, cornflower blue. Et qui est très très joli. Donc ça deviendra un petit pull. C'est l'épisode un peu saccadé. La deuxième teinturière que je suis depuis un petit moment maintenant et qui a eu une mise à jour, j'arrivais pas à dormir, c'est Tiny Human Knits, qui est une teinturière canadienne qui fait un petit peu de laine autorayante, enfin un petit peu de tout. Elle fait aussi des sacs à projets qui sont très mignons. Et en fait, qu'elle a fait, c'est ça récemment, donc un set de 5 mini qu'elle a appelé, je crois, pumpkin spice, quelque chose comme ça, et qui est hyper jolie. Donc il y en a qui sont mini, il y en a qui ont des petites speckles, et j'ai complètement craqué dessus. Après, le truc c'est que je sais vraiment pas acheter de laine si j'ai pas d'idée de projet. Après, ça peut complètement changer. Hein. Je pense que la majorité des quantités de pulls que j'ai ont changé de projet attitré depuis que je les ai achetés environ 5 ou 6 fois. Mais
J'essaie de pas acheter sans avoir au moins une petite idée. Et des mini tout seul, je sais pas trop quoi en faire. C'est pas vraiment mon truc. Du coup, j'ai cherché avec quoi je pourrais les associer, ce que je pourrais faire. Et j'ai vu qu'elle avait dans sa boutique un coloris qui est son coloris Plain and Simple. Donc qui est juste un crème avec des petits speckles bleus, orange et un petit peu de rose aussi. Parce qu'en fait, je pense que la teinture, la couleur bleue et la couleur orange ont un peu se sont brisées en fait. Et du coup, ça fait ça. Et donc ça, c'est sur sa base non superwash. Donc c'est du mérino non superwash. Donc comme quoi, on peut faire des petits speckles sur du non superwash. Et je me suis dit qu'en fait, ils allaient plutôt bien ensemble. Donc l'idée, ce serait un châle, je pense, en jouant avec des rangs raccourcis pour insérer en bordure les couleurs. Mais j'ai une idée, je me suis fait un dessin, je sais pas trop si ça va marcher. Je design très peu à partir de dessins, mais des fois ça m'arrive. Et en fait, mon problème, c'est que quand je dessine un truc, mais je sais pas si c'est possible, en fait. Donc... c'est assez curieux comme procédé et je fais pas ça très souvent à cause de ça en fait. En général, j'ai une technique ou un point que je sais que ça fonctionne et je veux l'incorporer d'une certaine façon et après je modifie à partir de là. Mais créer à partir d'un dessin, c'est plus compliqué pour moi. Du coup, on verra bien ce que ça donne. Et j'en ai encore deux. Je vous ai dit, j'ai vraiment pas dormi plein de nuits. Et j'ai une obsession pour les laines tweed de Négal. Et ça, c'est Hedgerow Yarns, donc une teinturière anglaise qui est assez connue et qui a une base donc tweed. Et je trouve qu'il faudrait du tweed partout. Je trouve que c'est vraiment hyper joli et qu'il n'y a pas assez d'offres de tweed, surtout de tweed pour des laines à chaussettes en fait. Il y a quelques marques qui font des fils single fins tweedés qui sont très jolies, mais je cherchais une laine à chaussettes et bon, j'ai fini par tomber sur celle-ci. J'aime bien l'esthétique d'Edgerow Yarns, du coup, même si pour le coup c'est quand même du mérino superwash, alors que j'aurais bien aimé avoir quelque chose de plus rustique, mais c'est quand même canon quoi. Donc ça vient avec son petit mini, c'est le coloris Pistachio Toffee. Et donc en fait, les petits neps, ce que j'aime bien sur sa base, c'est qu'il y en a plein. Plein partout. Et les petites neps, du coup, c'est du de Négal. En général, c'est de la viscose, enfin, c'est du plastique, quoi. Des fois, c'est des filaments naturels. Mais c'est très joli. Et ce sera une paire de chaussettes. Et je sais exactement ce que ce sera. C'est prévu. C'est dessiné. C'est avec des tresses nickel, encore. Voilà. Enfin, ça fait un moment que je voulais tester les laines de By Night, donc de Nathalie, qui est une teinturière naturelle. Et j'aime beaucoup le processus de teinturière naturelle. Je trouve que c'est toujours hyper intéressant la façon dont on travaille. Et surtout Nathalie qui a vraiment un côté expérimental en fait. Elle va prendre des bains, des fonds de bain, elle va les mélanger avec d'autres trucs. Je trouve que c'est hyper intéressant. Du coup, j'ai la lumière de début d'après-midi là et ça fait un petit peu. Ça me vient un petit peu par en dessous, donc j'avais un petit peu peur. Voilà, c'est l'esprit Halloween. Et ouais, Nathalie, elle expérimente vraiment beaucoup et je trouve ça intéressant. J'aime beaucoup son podcast, je pense que vous la connaissez. Et ça fait un moment que j'avais envie de tester ses laines et en particulier ce qu'elle teint au henné. Et je trouve que c'est très très joli. Alors, je pensais que c'était plus brun. Parce que forcément sur l'écran d'ordinateur ça rend pas pareil. Et en plus pour le coup la teinture naturelle c'est encore plus difficile à photographier et avoir une idée fidèle. Donc je pensais que c'était plus brun que ça. En fait c'est plus rose, rouge, brique, ça ressemble un petit peu à de la garance. Mais c'est du henné et je préfère en fait parce que je trouve ça vraiment, c'est une de mes couleurs préférées. Et c'est sa base Full Moon, donc il y a 100% Blue Face Lister et qui est... particulièrement douce. Le Blue Face Lister c'est doux hein. Mais là ça pourrait se méprendre avec certains mérinos et du coup pareil chaussettes.
C'est des chaussettes. Ce sera des chaussettes avec une espèce de texture en dentelle. Ouais, donc c'est un petit paquet de futures créations printanières. Je sais pas si j'aurai le temps de tout faire. Bon, j'ai le temps quand même, si au printemps. Mais c'est-à-dire que j'ai pas encore fait mes modèles d'hiver non plus, donc je suis un peu en train de courir après le temps. Mais voilà, c'était le petit craquage d'insomnie. Ça m'arrive pas souvent, mais bon, là, du coup, ça arrive. Autre chose que j'ai reçue, c'est deux patrons, de collection de patrons de Marie Wallin. Donc j'ai déjà parlé de Marie Wallin en long, large et en travers. Vous savez que j'aime beaucoup son travail et elle a récemment sorti Wildwood, donc qui est une nouvelle, un nouveau livre, parce que pour le coup c'est un de ses plus gros livres comme Shetland. C'est une nouvelle collection de patrons à l'occasion en fait de la création de sa propre ligne de laine. Donc elle a lancé sa collection de laine, donc qui s'appelle British Breeze, donc avec des couleurs absolument splendides. Donc, c'est une laine fingering peignée, surprenamment, parce que alors d'après ce que j'ai compris, c'est une tradition anglaise d'avoir vraiment des filatures peignées. C'est filé par John Harbon, il me semble. Et qui est un mélange, alors il y a du Blue Face Leicester, il y a de l'Exmoor, qu'est-ce qu'il y a, je crois, il me semble qu'il y a un petit peu de Wensleydale, et qu'est-ce que je dise pas de bêtises, Wensleydale, et Zwartbolts, qui est ce fameux mouton anglais avec un nom à gagner plein de points au Scrabble. Mais du coup voilà, donc elle a sorti une collection de patrons tricoté avec cette laine, qui est disponible sur son site aussi. Et les patrons sont juste magnifiques. Et je trouve que par rapport à Shetland, ce qui est intéressant dans Wildwood, c'est qu'il y a plus de modèles abordables. Il y a des, par exemple celui-ci, il y a des cardigans en rond qui sont stickés. Il y a plus de projets plutôt simples, comme... Il y a toujours un yoke assez très très joli dessus. Il y a toujours un yoke assez basique, on va dire, pour aborder le truc. Il est vraiment très joli. Mais en plus, les modèles qui pourraient être un peu plus complexes, bah, il y a des sticks, il y a des choses qui sont un peu plus abordables. Je trouve que c'est bien. donc je trouve un peu plus abordable que Shetland peut-être à ce niveau-là. Mais comme d'habitude, il y a des accessoires aussi, hein, il y a des mitaines, il y a des écharpes en ferraille traditionnelles. Mais voilà, même du côté des vêtements, il y a des choses qui sont très accessibles. Je voulais vous montrer mes préférés. Donc, mes préférés, c'est de trouver. Ok, le premier, c'est ça. Donc ça, c'est Wild Rose, donc c'est une tunique. Alors, j'aime pas les tuniques, je porte pas, mais bon, si éventuellement je le fais, je le couperai. Mais je trouve que les motifs sont absolument superbes. Et qu'au niveau des couleurs, c'est très différent de ce dont on a l'habitude en ferraille. Je pense que c'est le côté bleu et violet qui vraiment m'attire beaucoup. Je trouve très très jolie celle-ci. Après, il y a un cardigan que je trouve qui est le plus joli cardigan qu'elle ait. Elle fait pas mal de cardigans avec une coupe classique, mais celui-ci, au niveau des motifs, je trouve que c'est mon préféré. C'est chestnut. Avec évidemment les côtes à deux couleurs, et après, c'est vraiment très très joli. C'est magnifique. J'aime beaucoup. Ouais. Et après, comme d'hab, le patron qui me fait vraiment craquer et qui a fait que je précommande le livre, c'est celui qui n'est pas en jacquard. C'est toujours un peu comme ça chez Marie Wallin. Elle a toujours un ou deux modèles, parce qu'elle est très douée aussi pour les petites torsades, on en avait déjà parlé. Et du coup, en général, c'est le modèle qui est comme ça qui me fait le plus craquer. Et là, donc, c'est You, qui est un truc absolument sublime, avec plein de petites torsades très fines. Et j'aime beaucoup ce détail-là. Et c'est assez marrant parce que j'avais une idée de modèle de pull. Alors rien à voir, hein. Mais
mais qui a aussi un peu ce système-là, en fait, avec un espèce de triangle en bas. La circonférence n'augmente pas, hein, en fait, c'est un jeu d'augmentation et de diminution, juste pour déplacer les torsades de côté. Et j'ai une idée de design que j'ai dessinée, qui est prête, que j'ai envoyée à quelqu'un, pour savoir si on pouvait collaborer ensemble, et c'est exactement ça. Du coup, ça m'étonne pas que ça me plaise autant. Mais c'est vraiment un pull qui est très très joli. Avec les épaules tout montantes. Très sympa. Voilà, c'est mes trois gros coups de cœur. Voilà, comme d'habitude, Maria Wallin, à la fin de ses livres, il y a des indications de l'aide pour les sticks, pour la tension, pour l'échantillon demandé, et de manière générale, le 29 mailles. Donc, oui, c'est serré. Mais c'est ce que je veux dire, c'est que c'est remplaçable. On n'est pas obligé d'utiliser sa laine, même si elle a l'air très très sympa et que j'ai bien envie de tester. Voilà, c'est des trucs qui fonctionneraient très bien avec Rolls Super Soft, avec les laines classiques du jacquard, Jameson & Smith, tout ça. Voilà, donc c'est une très jolie collection. Pour le coup, il n'y a pas un modèle que je ne me vois pas porter. Il n'y a aucune forme qui vraiment est immodifiable. Et comme d'habitude, la photographie qui est absolument superbe. Avec les arbres. Très très joli. Et j'ai commandé très vite après qu'elle ait commencé à montrer les différents modèles. Et c'est une collection qui me plaît beaucoup. Et du coup, en étant sur son site, il y a cette collection, une autre collection plus petite qu'elle a sortie depuis un moment maintenant. Et j'avais très envie de l'acheter depuis très longtemps, je la regarde. Et à chaque fois, je sais pas, je la prends pas. Jusqu'à ce que je vois que... alors, vous connaissez peut-être sur le compte Instagram de Lisa May. Donc May comme le mois de mai en français, London. Donc c'est lisa.may.london. Donc il y a une tricoteuse et qui fait des très belles photos. Donc son compte Instagram est vraiment très joli, avec des photos très... des ambiances, des photos à l'extérieur. Elle a vraiment un style particulier et elle fait des tricots superbes. Et elle a notamment fait un pull de cette collection-là. Et quand j'ai vu sa version, je me suis dit, j'arrête d'être ridicule, il faut que j'achète cette collection. Donc, c'est la collection North Sea, qui pour le coup est une collection plus axée torsade et texture. Plus tricot marin, donc il y a des choses un peu plus façon les pulls Guernsey, comme ça. J'aime beaucoup celui-là, c'est un de mes préférés. Et c'est une plus petite collection, mais c'est très joli. Il y a plusieurs modèles qui me plaisent énormément. Hop, j'essaie de vous les retrouver. Donc je voulais montrer celui qui fait un peu pull de marin. Hop, et ben où il est. Hop. Et donc ça, c'est le pull Sky. Donc c'est le pull que Lisa May London a fait et qui est vraiment très très joli, un mélange de jacquard et de petite torsade. C'est que j'aime bien mélanger les deux. Qui est vraiment hyper hyper délicat, en fait. C'est marrant parce que quand on y pense, c'est quand même un petit peu chargé, mais il ressort vraiment très bien. Et mon préféré, bah pour le coup, c'est le pull en jacquard. Dans ces collections en jacquard, mes préférés, c'est les pulls à torsade. Et dans ces collections à torsade, mes préférés, c'est les pulls en jacquard. Logique. C'est celui-ci. C'est quoi son nom, Thierry? Thierry? Je sais pas. Celui-ci. Que je trouve vraiment très joli. Alors, je le trouve un peu lâche, là. Peut-être que si je le fais, je ferai une taille un peu plus ajustée sur moi. Mais j'aime beaucoup le jeu juste en noir et blanc, comme ça. Et en fait, il y a des... il y a des textures, donc il y a des mailles en verre ici et là, en fait, qui fait que c'est pas juste du jersey. Et je trouve que c'est vraiment très très joli. Ça fonctionne très bien. Voilà. Donc c'est, pour le coup, ça fait un peu plus peur, hein, je vous cache pas. Mais bon, les gris sont très clairs, tout ça, donc ça reste... c'est une très jolie collection et je suis vraiment contente d'avoir enfin décidé de l'acheter. Et je commence à avoir une belle collection des livres de Maria Wallin. J'en ai 4, du coup. Ouais, c'est pas mal. et je pense que j'ai enfin réussi à tout vous dire.
Je suis un peu désolée que l'épisode ait été saccadé avec mon téléphone qui arrêtait pas de se couper et les changements de lumière et tout ça. Mais ça y est, je suis arrivée. Donc voilà, j'espère qu'il sera plus raisonnable au niveau temps que la dernière fois. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup d'avoir regardé et on va se retrouver dans un mois pour le prochain récapitulatif en français. En attendant, je vous souhaite un bon... on va passer au mois de novembre, donc un bon mois de novembre. Et... ouais. À la prochaine.